été donné par les supporters du Parc des Sports et Champrou. Parce qu'il y avait le même style de jeu qu'Adebayor, la taille, tout ça. Bon, il y avait deux disciplines, l'athlétisme et le foot, mais comme ici en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire, ici, le foot est plus populaire. Voilà, c'est juste pour ça que je me suis, voilà, j'ai choisi le foot. Vous savez que le foot féminin n'est pas trop connu sur le plan mondial. C'est maintenant on commence à le valoriser. Et pour moi, j'ai une joueuse brésilienne qui m'inspirait, du nom de Cristiana. Cristiana, voilà. Et aussi chez les hommes, vous savez, on n'a pas besoin de dire. Il y a deux noms que je dois citer. Nos grands frères qui nous ont vraiment marqué, Didier Drogba et Yaya Touré. J'ai eu à causer avec Didier Drogba à la CAN 2012 en Guinée équatoriale, quand il était en Chine. Yaya Touré, je l'ai croisé après la CAN, après la CAN 2015, à l'Hôtel Ivoire. On devait se voir, mais après, il m'a dit d'attendre qu'il partait à la séance photo. Au retour, on m'a empêché de l'approcher. Bon, ça n'a pas été très dur parce que j'avais déjà joué un tournoi avec mes coéquipières. C'est de là que tout est parti. Donc j'ai intégré le groupe facilement. À l'aide de mon président, qui n'est plus aujourd'hui à Poésy. Voilà, repose bien et repose en paix. C'est lui qui m'a beaucoup soutenu dans ce moment-là parce que c'était une première fois pour moi. Mais je pense que c'est de là que tout est parti. En club, ça va très bien. Déjà, je fais déjà 3 ans là-bas. Ça va et si c'est en sélection, c'est la famille. La famille, on se comprend très très bien. D'abord, c'était le premier jour qu'on m'a annoncé quand je devais signer en Serbie. Voilà, j'étais très heureuse. Et après, un match de l'éliminatoire de la CAN contre la Guinée équatoriale, où on se qualifie en Guinée équatoriale. Voilà quoi, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment marqué. Gravé, ouais, en Champions League, contre une équipe de la Bosnie. J'étais sur le banc et on était à 1-1 à la 70e minute. Personne ne m'a demandé de me chausser. Du coup, je me suis chaussé. Le coach m'amène à l'échauffement. Je ne fais même pas une minute. Il me demande d'entrer. Parce qu'à 1-1, on était éliminé. Je rentre à la 75e minute de jeu. J'ai joué pratiquement 15 minutes. Après, à la 93e minute, voilà, je marque le but qui me qualifie pour le deuxième tour. Voilà, c'est des souvenirs. Dans mon premier club, Vezda Perm, là où j'ai terminé 2 fois championne et une fois championne de la Coupe de Russie. Voilà, c'était une belle performance. On a apporté un plus. Parce que nous sommes cette génération qui a été la première à jouer la CAN et le mondial. Voilà quoi. Et on a encore plus à apporter parce que nous avons un très bon goût. D'abord, c'est d'apporter une CAN à la Côte d'Ivoire, d'abord. Et vraiment, un jour, être une meilleure joueuse africaine. Voilà, quand tout dépend du Seigneur. Voilà, donc, je reste toujours en prière et je continue toujours de travailler.